Good morning, allez, il est juste aujourd'hui le Nishmat, François Vajib Ben Chana, Jani Rud Batato de Mazal Fritna, Claude Shlomo Ben Shalom et Ishaya Ben Linda. Si vous souhaitez aussi des deux, une prochaine étude de Mishnah pour détecter 5 minutes éternelles. Nous étions au Sechet Brachot, Vaikret, Mishnachet, Bala, Hem, Yain, Le Achar Amazon, Ben Shamela, Oto Akos, Bet Shamay Omerim, Mevarech à la Yain, Vachakach, Mevarech à la Mazon, Bet Ilel Omerim, Mevarech à la Mazon, Vachakach, Mevarech à la Yain. Onin amen achar Yisrael amevarech, ve'en onin amen achar akuti amevarech, achi ishma kol aberach. On a deux sujets dans notre Mishnah. Je traduis directement la scène. Ba'alahem yayin le achar amazon. Et il a reçu un verre de vin à la fin de son repas. Soit, au début, il a mangé son repas, il n'avait rien à boire. Pas d'eau, pas de vin. À l'époque, il buvait vraiment du vin très fréquemment, quoi, pendant le repas. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé son repas sans vin. Et une fois qu'il a fini de manger son vin, son pain, alors on lui apporte un verre de vin maintenant. Et la question, elle est de savoir, maintenant, il n'a qu'un seul verre de vin, il n'en aura pas deux. La question, elle est de savoir, est-ce que tu préfères, il vaut mieux, est-ce qu'on va lui permettre de boire le verre de vin tout de suite, et dire le Birkat Amazon ensuite, ou on va lui dire, non, toi, dans ta situation, tu dois nécessairement dire le Birkat Amazon, et seulement après boire le verre de vin, parce que, il y a une grande misère de dire le Birkat Amazon sur avec un verre de vin. On avait déjà évoqué le principe quelquefois. Aujourd'hui, c'est plus une obligation, mais c'est quand même un grand inyan. Le Zohar parle longuement de ça, sur l'importance de le faire, et la bracha de qualité que c'est. D'ailleurs, regardez concrètement, agissez ainsi, vous allez voir comment comment le Birkat Amazon prend une allure beaucoup plus sérieuse et solennelle. D'accord? Je reprends maintenant sur notre sujet. Est-ce que le Birkat Amazon, il est imposé de prendre un verre de vin? Soit, j'ai fini mon repas, j'aimerais bien me boire quelque chose, on m'apporte un verre de vin, c'est le dernier vin qui me reste, est-ce qu'on va me dire, ben bois-le et puis après tu fais le Birkat Amazon sans verre de vin, ou bien on va me dire, non, pas du tout, fais le Birkat Amazon parce que je vais faire le Birkat Amazon avec un verre de vin a priori. Alors sur ça, on a une marque de Béchamay Betelel. Béchamay Omri Mevarech à la Yain, Vachakach Mevarech à l'Amazon. Béchamay me dit, il fera la bracha sur le vin et seulement après il fera la bracha sur le Birkat Amazon. Je vais expliquer après Béchamay un peu mieux parce qu'il y a un point aussi à éclaircir. Pour le moment, j'avance. Ou Betilel el Omri, Mevarech à l'Amazon, Vachakach Mevarech à la Yain. Et Betilel me dit, non, le contraire. D'abord, tu fais la bracha sur le Amazon, sur la nourriture, le Birkat Amazon. Et seulement après, tu fais la bracha sur le vin. Soit, en fait, on a que d'après Betilel, on va commencer dans l'ordre du plus facile au plus compliqué. D'après Betilel, on a tout simplement que un homme, il a l'obligation de dire le Birkat Amazon en levant un verre de vin. Et maintenant, on lui apporte un verre de vin à la fin du repas, il a soif, il a pas ri, il a rien bu pendant le repas. Betilel va lui dire, tu sais quoi, puisque tu es obligé de dire le Birkat Amazon sur un verre de vin, le verre de vin que tu as dans les mains, tu attends d'abord de dire le Birkat Amazon en le prenant, en le saisissant en main, et seulement après tu pourras boire ce verre de vin. Tandis que Bet Shamay, on dit non, il n'y a pas d'obligation, il faut y aller en deux temps. Première donnée, c'est que selon Bet Shamay, il n'y a pas d'obligation de dire le Birkat Amazon sur un verre de vin, comme c'est d'usage aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut faire des émoutes sans verre de vin. Même si, initialement, c'est important de le faire. Il y avait des discussions, il y avait des avis. En tout cas, donc selon Bet Hillel, Bet Shammai plutôt, si tu veux, tu peux boire ton verre de vin, et seulement après, tu iras. Et seulement après, tu feras ton Birkat Amazon. D'accord? Est-ce qu'il n'y a pas d'obligation de dire le Birkat Amazon sur le verre de vin? Maintenant, précision super importante. Selon Bet Shammai, ils me disent, tu fais la bracha sur le vin, seulement tu fais la bracha sur le Birkat Amazon. C'est une obligation déjà ainsi, ou c'est... T'as le droit. Alors sur ça, le premier mot de Tosot Yom Tov peut être de me dire, tu as le droit. Ça veut dire que d'après Bet Hillel, Bet Shammai, sur toi l'heure de vin, si tu veux, tu peux le boire, si tu veux, tu peux dire le Birkat Amazon dessus. Il y a sur ça un avis qui relaie, c'est le Rabbi Kveyer ici qui rapporte au nom du Rajba, qui me dit pas du tout, tu es obligé de boire le vin de vin depuis tout de suite, parce qu'il faut savoir, lorsque tu manges, si tu as soif, et que tu ne bois pas, alors tu n'accomplis pas la mitzvah tassé de Horaïta du Birkat Amazon. Tu n'es pas encore imposé parce que tu n'as pas bu. Pour avoir le Birkat Amazon de la Torah, il faut d'abord manger et boire. Il faut les deux choses. Selon ce principe, maintenant, on comprend mieux, d'après Bet Shammai qui nous dit non, tu fais la bracha d'abord sur le vin parce que tu es obligé de boire. Parce que si tu veux faire le Birkat Amazon sans boire, c'est plus un Birkat Amazon Midoraïta, c'est que Midrabanan, et c'est dommage de perdre la mitzvah, donc tu bois d'abord. D'accord? Après, on a une dernière partie de la Mishnah, c'est Onin Amen Achar. Israël à Mevarer, on pourra répondre Amen après un Israël qui prononce une bracha, ben onin Amen achar akuti à Mevarer. Par contre, on ne répondra pas Amen après un kuti qui prononce une bracha, achishma kol avera,
Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait toute la bracha. Soit c'est très simple. Imaginez que vous voyez me prendre une pomme. Vous savez, moi, je suis un juif cachère. J'ai même une kippa sur la tête et même une petite barbe. Donc, l'habit qui fait le moine. Et il y a le. Donc, j'ai une pomme dans les mains. Maintenant, vous voyez que je dis. Boré Périès. Et je fais la bracha. Vous n'avez pas entendu tout le début de la bracha. Mais vous avez bien compris que je suis en train de faire une bracha de Boré Périès. Vous pouvez répondre Amen, même si vous n'avez pas entendu toute la bracha. C'est même important de répondre Amen. Ça, c'est pour un bon juif. Maintenant, si c'est un Kouti, alors un Kouti, c'est un peuple qui s'est assimilé par crainte des gardes des bêtes féroces qui étaient là-bas, toute une histoire, les Givonim et le Koutim. Il y a maintenant une marquette fondamentale, est-ce que les Koutis se sont réellement convertis ou pas convertis? Sur ça, la Mishnah vient de dire, écoute-moi, quand tu as un Kouti, que concrètement, ils ont une philosophie d'idée. Bref, ça on s'entraîne trop dans les détails. Mais quand tu vois un Kouti qui prend une pomme, qui prononce une bracha, et qu'à la fin de ton cas, il dit, Priyas, il ne répond pas à même. Parce que peut-être qu'il a prononcé une phrase de la voix d'Azara. Peut-être que cette pomme, tu la sanctifies à ma voix d'Azara, qui a créé les fruits de la terre. Donc, puisque tu ne sais pas pour qui il a prononcé la bracha, comme on dit, tu n'as pas entendu le baruch d'Hachem qui parle à Hachem, dans ce cas-là, tu ne pourras pas répondre à sa bracha lorsqu'il va faire, lorsqu'il, tu vas entendre juste la conclusion de Boré Priyas. Je ne sais pas à qui il a glorifié et à qui il a dit merci, tout simplement. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha comme tout le monde.